Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Exa, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le serveur d'Epicube. On est sur la map Epilab, voilà un petit retour aux sources, voilà, on se rappelle de la bonne époque au moment où il y avait bah au final que cette map presque, donc voilà. Non franchement je l'aime bien en fait, je l'adore tout simplement. On va prendre le petit kit enchanteur et puis voilà, aujourd'hui j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. C'est pour ça que j'arrive même pas à faire le jump quoi. Donc déjà j'ai une nouvelle souris, donc bon je suis un petit peu désolé si des fois je fais des petits moves un peu chelous. Mais voilà, donc c'est la dernière Logitech, bon je la trouve pas mal mais bon il va falloir que je m'y habitue. Voilà, ensuite deuxièmement donc un grand merci à vous pour les 2600 abonnés, c'est monté très très vite entre 2500 et 2600 en moins d'une semaine, donc bon j'étais vraiment assez surpris, on a été assez surpris, donc voilà. Donc du coup un grand merci à vous, voilà on prépare quelque chose pour les 3000, je pense oui que ça arrivera pour les 3000. À l'allure que ça va, je pense que ouais, aux alentours des 3000, ça devrait se faire. Hop, du coup, on a eu un peu du stuff de merde là, oui, d'accord, très bien. Donc, on a eu du stuff, mais genre nul. D'habitude, t'as des plastrons, t'as des casques, t'as des épées, mais enfin, t'as pas ça. Genre, ça, c'est nul. Bref, c'est pas bien grave. Hop, on va essayer de se débrouiller. On va essayer de se débrouiller tout simplement. Hop, très bien, bon alors ça, un petit plastron, ça fait toujours plaisir. Hop, on va également prendre du fer, voilà, très bien. Voilà, voilà, donc ensuite, une autre information, donc le pack de texture, parce que je sens que ça va me m'être demandé. Donc voilà, donc le pack de texture, c'est... Hop, il n'y a personne, on peut regarder le Stelios Pactos. Donc voilà, donc le pack de texture de Stelios. Donc voilà, non, franchement, je le trouve assez sympa. Donc du coup, voilà, bon, c'est la version 2, entre guillemets. Vous allez voir, bah, pour ceux qui connaissaient, voilà, l'épée en fer change. Et en fait, je suis vraiment tombé amoureux, hein, on peut le dire. De cette épée, je la trouve juste magnifique. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi, mais je la trouve vraiment, vraiment très très bien. Est-ce que ah ouais, toi du coup t'es vraiment pas drôle. Très bien, très bien, très bien. Hop, on va mettre ceci comme cela. Très bien. Et puis voilà. Du coup, il reste un petit peu de temps. Bon, c'est pas bien grave. On va aller, voir l'autre enclume. Voilà. Et puis on va prendre un petit, voilà, un petit charme de Sapphire Aspect, ça met toujours bien. C'est plutôt pas trop mal. Ah, dommage, j'ai pas eu le temps de le récupérer. Bon, les poulets de mort, ah d'accord, ils m'ont même pas touché, on est content. Hop, on va prendre une pomme en or, on a notre cible en vue. Voilà. Oui, donc également, bon, j'ai pas mal de choses à vous dire hein, dans cette vidéo, donc il est possible que j'en oublie un petit peu. Hop, toi, mon petit gars, mais êtes-vous ? D'accord, ok. Même pas vu, ok. Il y a eu, voilà, j'étais un petit peu voilà, j'étais un petit peu en mode inconscient quand je me suis fait attaquer. Très bien, bon, on a un arc, on a les bottes, ouais, bon. Ah, voilà, on a rien de folichon. On a un autre ennemi ici, par contre ça c'est plutôt intéressant. Hop, on va mettre petit chicken. Il y a une potion de speed hein, bien évidemment, l'une des meilleures, enfin l'une des moins bien. Hop, très bien. Est-ce qu'on va pouvoir bouffer une petite pomme en or? On va mettre ça, ça va le surprendre. Hop. Et voilà, dans ta figure, voilà. Bref, donc, bon, bah, GG. Hop, on va mettre ceci. Ceci, on va le jeter. Pouvoir 1. Est-ce qu'on a pouvoir 1? Oui. Hop. On va mettre le petit tunique. Ceci, c'est très bien. Un pouvoir 2. Un pouvoir 2. Plutôt intéressant. Caméléon. La tête caméléon. Non, 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 non. Non, mais. Bon, tant pis. Qu'est-ce que c'est que cette épée là? Ok, les gens. Ah, d'accord. L'épée en bois. Alors, ça, c'était plutôt Worsit. Worsit, alors. Okay. Oh putain, pas mal ça. Attendez. Est-ce qu'on a des levels? Ah, on n'a pas de level. On n'a pas de level. On va prendre la bouffe. Fire Aspect, en vrai. Bon, il nous faudra des levels. Mais je compte bien fusionner ces deux épées. Et puis voilà. Bon, le speed, tout ça. Bon, on est content. Franchement, ça se bat. Bon, ouais, ça se déroule plutôt bien. On peut le dire, ça se déroule plutôt bien. On est déjà au swap final. Donc, on a swap.
15 levels, très bien. Ça en demande pas tellement, hein. C'est plutôt cool. On va mettre la Fire Aspect de ce côté, voilà. Comme ça, au moins on tape et là on repousse arc, voilà, on est plutôt bien. Et puis voilà, je sais pas en fait si je vais pas les garder comme ça. Je sais pas, comme ça au moins si j'ai un. On va bien voir, on va bien voir. Ah ben on a un autre les Fire Aspect. Au pire, attendez, est-ce qu'on peut carrément pas mettre. Bah si, regardez, hop, très bien. Et ça, ça sera une épée de rechange. Bon, très bien, le petit casque, on va mettre ceci, très bien. Très bien, très bien. En tout cas, voilà, c'est plutôt cool. Du coup, une petite vidéo. Bon, à mon avis, ça sera plutôt rapide. On va vérifier une dernière fois. Oui, ouais, c'est bien la bonne épée. Très bien, histoire que je ne sois pas surpris. Hop, on va prendre ceci. Ok, il n'y a personne qui arrive. Les petites bottes comme ça, ça m'intéresse plus. Hop. Alors, j'aimerais bien tenter un truc également. Hop, qu'on aura sûrement pas de plastron en fer avec ça, c'est plus puissant. Nickel, ça c'est pas mal. Très bien, très bien. Bon, non, non. Bon, c'est bon, elle m'aura appris. Est-ce que j'ai flèche? Oui, j'ai flèche. Est-ce qu'on mettrait pas les flèches à côté? Voilà, comme ça on voit un petit peu. Voilà, on est content. Bon, ça coûte rien en plus, donc c'est plutôt pas trop mal. Ah, salut, êtes-vous? La sensi, des fois de ma souris s'emporte un peu. Bon, de toute façon, le Fire Aspect c'est juste pété en fait, hein. Genre vraiment. On va bouffer un petit steakos. Très bien, on va prendre cette petite tête. Ouais, en vrai, on va pas l'utiliser maintenant, hein. Je vois pas l'utilité. On va prendre la petite potion de poison qui fait toujours plaisir, hein. On va se le cacher. On va mettre ceci. Alors, hop, s'il vous plaît, personne ne m'attaque. Hop. Puis on va mettre même un protection 3. Comme ça on est bien. Des bottes en fer. Personne ne vient. Très bien. On va mettre au moins un protection 2. On n'a pas d'autres livres protection. Bon, et bah écoutez, tant pis, on va mettre au moins les bottes comme ça. Et puis voilà. Hop. On va trier le restant du stuff. Power 1. Ouais bon. Ouais, y a rien de franchement énorme. Y a pas un livre. Ah bah si, attendez, protection 2. Hop, on va mettre ceci avec ceci et puis voilà. Hop, bon, et ben c'est plutôt cool. Du coup, il reste combien? Il reste une personne. On va demander où est-ce qu'elle est. On va monter en haut parce que bon, à mon avis, c'est là-bas où elle est. Et puis voilà. Bon, au final, on aura fait combien? Ouais, 5 kills. Bon, c'est pas trop mal, franchement. Sur la route. Ah merde, bon, voilà, très bien. Bon, bah on va l'attendre qu'il passe vers nous. Une petite potion, soit une autre île. Les îles en vrai, oh, franchement. Ouais, franchement, on va enlever une potion comme ça. Deux, ça suffit. Je pense. Voilà. Hop, ici. Enfin, il fait respect. Bon, hein, voilà, c'est plutôt pas trop mal. Ok, alors, est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on le voit? On le voit pas, très bien. Au pire... Ouais, au pire, go en haut, quoi. Enfin, je pense. J'entends, ouais, non, c'est moi qui monte. Ok, d'accord. Très bien. Alors, pourquoi je m'entends? Je ne sais pas. Je suis un petit peu dans ma paranoïa. Ok, très bien. Ok, donc ça part sur... On prend pas les potions de poison. Alors, ça, tu vas, je pense, le regretter. Qu'est-ce qu'il y a de mieux entre sa protection 2 ou sa protection 4? Je sais pas. Je pense que protection 4 comme ça est peut-être plus bien. Enfin, mieux quoi. Au pire, vous savez quoi? Au pire, vous savez quoi? On a des levels à user. Hop. On va essayer de le récup. Je l'avais remis dedans? Ben non. D'accord, bon, on va redescendre alors. Hop, il doit être en bas. Il est ici, très bien. Hop, et puis on va aller mettre le protection 4, hein, tant pis. Bon, du coup, on aura usé quand même des levels, hein, mais bon, c'est pas franchement dérangeant de ouf. Et puis voilà, bon, à mon avis, on est bien là pour gagner notre fight. Du coup, je ne sais pas où il est. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il m'a. Ah, d'accord, ok, j'arrive. Bon, du coup, on y go. Est-ce qu'il me suivait alors? Bah non, bah, je sais pas. Je ne sais pas,
t'es un peu dans ces bails chelous. Hop, on monte du coup, et puis puis en espérant que ça aille quoi, tout simplement. On va peut-être juste échanger deux trucs, ceci et ceci, voilà. On va mettre est-ce qu'on met bot attaque? Non, on la met pas tout de suite. Ah, pas de pseudo, ça va être un petit peu dérangeant également. Ok, très bien, il est juste là. Ah merde, putain. Ça, c'est ce que je craignais. Bon, c'est bon, au moins il n'y a plus d'Expelliarmus. Hop. Hop, on se concentre. Voilà, on lui met des flèches. On est content. On met la petite chauve-souris là. Ah merde, alors là. Il va falloir vite le finir. GG. Bon, bon, au final, on a eu quand même pas mal à l'arc. Ouais, bon. Il y avait du stuff plus ou moins utile, on va dire. Enfin, voilà, c'était pas non plus le stuff de la fin du monde. Mais bon, c'était pas trop mal. On va faire un petit saut, wouhou, ici, voilà, pour faire l'outro. D'accord, bon, j'aurais bien aimé tomber sur ça, mais bon, apparemment, on veut pas. Bref, oula, qu'est-ce qu'il fait derrière cet homme? Voilà, partez, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-moi dans mon tour, quoi. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Au final, bon, on aura fait quelques petits kills plutôt sympathiques. Voilà, bon, il y aura eu des petites informations, tout ça, encore une fois, merci à vous. Pour les 2600 abos, voilà, c'est juste énorme. Et puis voilà, donc on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur Twitter et également sur Skype, pourquoi pas, à mettre un petit pouce vert, à commenter la vidéo, très 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 important. Et bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, on est dans un fond de folie, on est perdu un peu. En tout cas, merci à vous et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Xa, bye tout le monde.